Bolo Samba, la famille de retour. Salam, bonsoir, ça dépend l'heure que vous me suivez sur Rose Bamba Officiel, Rose Bamba Officiel, votre chaîne de l'excellence, votre chaîne qui vous apporte toujours du neuf, l'actualité oblige. Mesdames et messieurs, c'est votre âme serviteur, c'est Morgan Dizanke, à Pérenne sous terre. Le temps pour moi de vous dire, il y en a marre. Il y en a marre parce que sous la toile, il n'y a que des nudes. Il n'y a que le nude. Je dors, je me réveille de nude. Ben, la presse dort, se réveille la nude. Que le nude. Gami Confort de nude. Rose Bamba Officiel, là où tu es. Joyeux anniversaire à toi. Frangine, santé, longévité, succès. Mais, est-ce que tu as vu de nude en ce moment? Là où le bas blesse, la communauté congolaise est souillée. Les Gabonais qui nous suivent disent, mais il y en a marre, les Gabonais, c'est Kinda. Les Gabonais disent, mais mon frère, il y a quoi avec vous? Les Camerounais m'appellent et me disent « Yoanda ». Les Ivoiriens me disent « Oh, c'est chaud ». Pour arrêter ces fléaux, qu'est-ce qu'on doit faire, Gami Koufax, mon frère? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit appeler les hommes de Dieu? Ou on doit appeler le pape lui-même? Je ne sais pas. Là-bas, c'était Bethel. Là-bas, il y a les problèmes. On part à gauche, droite, Malkamba, les problèmes. Nos frères congolais, les artistes, Herman a été publié. Moi, j'ai défendu mon frère. Mais la deuxième vidéo est sortie, la troisième vidéo est sortie. Où allons-nous? Où allons-nous? L'autre côté là-bas, on a arrêté notre frère Jérémy Kongolo, ex-bassiste de Moïse Mbille. C'est triste, présent au Sous-Zolo. Chère famille, donc pour que ces fleurs arrêtent, je ne sais plus, vous attendez qui est le mort, quoi? Parce que l'autre côté là-bas aussi, Eliane, son avocat a été agressé. Donc il y en a marre. Pourquoi nous? Mais voire même le général Marcosso parle de ça. Il a oublié la Bible, comment ça parle de ça? C'est que c'est trop. C'est trop, Rose Bamba Officiel. Fais ce que tu me dis, oh non, on a publié Herman. Alors, Herman, toi aussi, frère, tu flottes avec deux meufs. Non, flotter, c'est même bien. Tu fais partout avec deux meufs. Et sur quoi? Je suis sûr que tu étais au courant quand tu es filmé. Comment c'est fait tu fais l'amour avec deux meufs et sur quoi? Même si ce sont les lesbiennes, il n'y a pas de problème. Mais la vidéo a fuité. Qui a balancé la vidéo, Gami Koufax? Qui a balancé la vidéo, Bain de la presse? Posons aussi les autres. Qui a balancé la vidéo? Ça fait mal de voir notre frère passer à la toile. C'est une star. Parce qu'au Congo, lorsque tu passes à la télé, tu deviens star. Parce qu'il le dit que c'est la masse. Mais ce genre de vidéos, ça laisse à désirer parce que quoi? Il n'y a pas que la communauté congolaise qui regarde. Parce que les réseaux sociaux, tout le monde est déjà abonné. Moi qui vous parle déjà, je représente toute l'Afrique. Mais la majorité, les Gabonais aussi nous suivent. Les Gabonais aussi nous suivent. Les Ivoiriens. Moïse Mbille est déjà, lui déjà, on attend son retour. Il sera peut-être au Congo d'ici peu de temps. La plainte l'attend. L'autre côté là-bas, Gami Koufax me fait signe. Il était à Ibiza. Il me dit, papa, toi tu es là-bas à Marrakech. Mais tu ne sais pas que non, Lydie Mbille, arrêtez les gens. Bien qu'on n'a pas vu, mais elle a envoyé les gens pour aller arrêter. Mais c'est quoi tout ça là, Gami Koufax? L'autre côté là-bas, elle m'appelle, allô papa, tu es où? J'ai dit, je suis à Marrakech. Il me dit encore, mais on a encore arrêté Jérémy. Mais vous arrêtez Jérémy sous base de quoi? Rose Bamba Officiel, on arrête Jérémy sous base de quoi? Où sont les preuves? Parce que moi, je peux faire ma vidéo, je peux faire mes nudes. Mais non, si ça a fuité, c'est que j'ai balancé ça à une personne. La personne a oublié le téléphone, on a volé. Ou bien la personne a publié, ami. Mais on voit ça sous la toile. Maintenant, pour que ces feux arrêtent, on doit faire quoi? Là-bas, Mike Kalamba, il passe sous la toile avec mon confrère. Maïs Mungo, pourquoi il n'arrive pas à demander des excuses? Il fait chaud à Marrakech, bien sûr qu'une somme en hiver, il fait chaud. Essayez de comprendre, mesdames et messieurs. Chers abonnés de Rose Bamba Officiel. Il fait chaud, si j'enlève aussi, ça caille. Donc, essayez de comprendre. Michel Bakenda, publié, c'est normal. Mais notre frère, là où tout le monde attend le pardon, une clémence, comme on dit en français. Humilie-toi, Mike Kalambay. Humilie-toi. Si aujourd'hui on parle de nude, sujet nude, tu es l'auteur de ça. Parce que si c'est Peignel la cause, si Peignel ne passait pas sur la toile pour dénoncer tout ce qu'Alaï a subi, cela ne devait pas être. Parce qu'héritier, déjà, c'est normal. Là, dit, héritier, lui, c'est, on sait que ça se passe comme ça, là. C'est son habitude. Bien sûr que j'ai encore respect pour lui, mais on sait qu'un héritier, c'est comme ça avant qu'il puisse faire sortir l'album. Mi-ange, mi-démon. Je ne te lâcherai pas. C'est normal.
Mais les hommes de Dieu, les femmes, les sœurs en Christ, Myriam Okeny, tu as été une victime, oui. Maintenant, la vidéo est fruitée. Vous arrêtez Jérémy Kongolo pour quelle raison? Pour quelle base? Jérémy a été arrêté. L'avocat d'Eliane a été fusillé. Donc, Moïse Mbillé, je ne sais pas si la cité Bethel, l'entourage de Moïse Mbillé, les gens l'aiment ou bien les gens ne l'aiment pas. Les gens ne l'aiment pas. Il fait chaud, excusez-moi, je suis fâché. Parce qu'aujourd'hui, on va un peu arrêter ça. Aujourd'hui, on va arrêter ça, Rose Bombo officiel. Il fait chaud, mais je vais parler nude. Est-ce que c'est normal? Je pouvais être là même à la piscine quelque part, mais je sens qu'il est pas là avec vous. C'est quoi le fléau? C'est quoi le fléau? Non, tous les jours, on va dormir, on va se réveiller, qu'il est nude. À Beni, les gens meurent là-bas. Si on parle de ça, vous n'avez pas regardé. Le Congo, là-bas, en Afrique, les gens meurent de faim. Il y a des génocides. Mais si on parle de ça, vous ne regardez pas. Mais vous êtes champion et champion de rentrer dans l'inbox pour demander des vidéos. Déjà, j'ai perdu tous mes contacts parce que j'ai formaté mon téléphone. Vous suivez les vidéos, vous ne likez pas. Vous suivez les vidéos, vous ne likez pas. Mais vous êtes champion à venir demander les gens de nudes. Il y a d'autres gars, ils rentrent. Bonjour, vidéo. Est-ce que c'est moi qui dors avec? Je dors avec pour que non, quand tu me dis nude, je me réveille, je te donne à 5h du matin. Tu me dis même pas bonjour, comment tu vas? Nude. Partagez les vidéos, likez. Vous ne voulez pas. Vous voulez seulement les nudes. Si on vient parler de Beni ici, mon confrère Gami, je ne pas les Beni. Vous n'avez pas regardé. Si on vient parler de ce qui se passe au Congo, bien en Afrique, vous n'avez pas regardé. Ça, c'est quel genre de peuple? Bokyo, tu as raison. Ben, d'après, a raison. Président aussi, Zulu. Rose Bomba a raison. Si on vient parler du Congo, ce qui se passe, vous n'avez pas regardé. Mais pour les nudes, vous regardez. J'en ai marre. J'en ai marre. Même les Gabonais m'appellent pour me dire. Votre peuple, il y a quoi là-bas? Donc sur ce, je suis dépassé, je transpire, mais on doit arrêter. Grâce Capes à la Gabonaise, là où tu es à Londres, First Class Miel, Jesse Baby Black, le cœur des baleines de la presse, sans oublier Gami Kofax, Rose Bombo officielle, joyeux anniversaire à toi. Linda Kosita, salut, Glody Luna, Dorcas Mokoko, là où tu es, salut, Cécile Kitima, salam à toi, et on se dit à bientôt, y en a marre, y en a marre.